Donc, bonsoir la famille. On est bien content, enfin pas content du tout, de chanter pour la énième fois pour Georges Ibrahim Abdallah. On espère que c'est la dernière fois qu'OPA se mobilise, en tout cas parce qu'il est en prison. J'espère que la prochaine fois que je chanterai, il sera sur scène avec moi et que je m'effondrerai d'émotion de pouvoir enfin le serrer dans mes bras. Donc je sais pas depuis combien de temps on fait des concerts de soutien pour Georges Ibrahim Abdallah, mais ça fait déjà trop longtemps. Et on sait que malheureusement, quand Georges sortira de prison, il faudra continuer à se mobiliser pour la Palestine et pour d'autres prisonniers politiques, comme l'a rappelé justement Isabelle. Donc je voudrais d'abord remercier l'Athénée Libertaire d'accueillir la soirée de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, si on pouvait leur faire un petit big up. Notre dernier concert ici, c'était en 2007, alors on est content de revenir, c'est sympa de nous accueillir. On voulait aussi, OPA tenait aussi à remercier le collectif Comité de soutien à Georges Ibrahim Abdallah à Bordeaux qui fait énormément de choses. Donc bravo à vous la famille, vous êtes super. Moi je suis sur la liste mail, j'en reçois plein, donc je suppose que vous faites plein de choses, donc je vous applaudis et je vous remercie. Applaudissez-vous, vous êtes beaux quoi, franchement, vous assurez grave. Demain on part avec une bus quoi, merde, c'est pas rien. On va changer dans le bus. Voilà, et le premier morceau que je vais donc faire à cappella, c'est une chanson. J'écris très peu de chansons. J'écris surtout des textes qui sont après mis en musique de façon complètement improvisée. Puis là, j'avoue que c'était sous la douche. Hein. Georges Ibrahim Abdallah. Vous voyez pas de rapport malsain là-dedans, mais c'est souvent sous la douche que j'écris des chansons. Quand j'en écris trois, c'était sous la douche. Voilà. Et donc, du coup, il y avait une petite air avec cette musique. Donc hier, on a fait un concert, on a posé un reggae dessus. Donc vous entendrez demain la version reggae. Mais là, vous allez entendre la version originale qui n'existe donc que dans ma tête. Sachant que je m'excuse par avance si vous trouvez cet air un peu vieillot. Mon père me faisait écouter Jean Ferrat quand j'étais petite, donc ceci explique sans doute cela. C'est un petit air un petit peu vieillot pour la complainte de Georges Ibrahim Abdallah. Dans les vieilles geôles françaises, y avait un prisonnier. Depuis 30 ans, à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. C'est une zone de non-droit, un lieu qu'un seul homme parcourt, bien plus qu'une cage, un endroit où le temps a fini son cours. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Que devient l'homme entre les murs? Rêve-t-il de Kobaya? Sent-il le vent comme un murmure sur la plaine de la Beka? Voit-il au-delà du grillage Beyrouth la belle et dans l'effroi? Pleure-t-il de tristesse et de rage sur les cendres de Shatila? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? L'homme est là et toujours se dresse, l'homme est là et toujours se bat. La liberté n'a pas de laisse, la lumière ne vient pas d'en bas. Quand la dictature le retient et fait la guerre au monde entier, même enfermé, il se souvient d'un drapeau rouge à empoigner. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Vous qui voyez le temps qui file aux fenêtres des jours perdus, songez aux longues heures fébriles, songez aux allées venues. Quand se pavane l'injustice et lorsque vos yeux se détournent, c'est bien un jour de plus qui glisse
dans ce cachot où l'homme tourne. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qu'on lui ouvre grandes les portes, qu'il revienne à nous triomphant, que de nos chants de victoire le porte au pied des cèdres du Liban. Dans les vieilles geôles françaises, y avait un prisonnier. Depuis 30 ans, à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah?